Bonjour à tous, bonjour à mes abonnés, bonjour aux nouveaux sur ma chaîne Les Guidances de Shiva. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble les tirages, le tirage d'aujourd'hui pour la période du 15, du 1er au 15 novembre, pardon. Il me reste 4 signes. Donc on va regarder en supplément du mois de novembre que j'ai déjà fait il y a un petit moment, que vous pouvez aller voir d'ailleurs. Le général et le sentimental. Donc c'est un tirage ici qui est un bonus, un petit tirage court qui reflète les énergies actuelles. Donc on va regarder le signe qu'on va prendre maintenant. Eh bien on aura les capricornes. Très bien. Les capricornes, on va regarder donc votre tirage pour cette période 1er au 15. Vous pouvez regarder aussi votre tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire, bien sûr. N'hésitez pas. Donc aussi regardez le tirage de novembre et novembre amour, le tirage de l'automne 2021 qui prévoit aussi tout ce qui va se passer jusqu'à décembre si vous voulez des informations à plus long terme. Et là on va voir donc pour les capricornes ascendant et lune ce qui se passe pour vous, hein. On va regarder avec deux petits oracles, donc le petit le normand. Bienvenue sur les guidances de Shiva, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec grand plaisir. Ça coûte rien, c'est gratuit pour vous, donc s'il vous plaît, si vous pouvez cliquer pour vous abonner, ainsi vous recevrez toutes les vidéos que je fais. Et puis la cloche du haut pour recevoir justement ces vidéos. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. En 2-3 jours, je vous réponds, donc il n'y a pas de souci. On va regarder donc les Capricornes pour le 1er au 15 novembre. Capricorne, 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on a comme message? Capricorne, 1er au 15 novembre. Et puis vous pouvez regarder votre tirage d'aujourd'hui, spécial portail du 1er octobre, spécial, je ne vais pas dire Halloween, c'est plus pour la fête de Shaman, pour la journée en honneur à nos défunts. J'ai fait un tirage spécial pour tous les signes. Vous pouvez vraiment aller regarder ce tirage spécifique pour la journée Capricorne du 1er au 15 novembre. On va regarder la coupe. Alors, on me dit persévérance, force, courage. Vous avez peut-être traversé une période un peu compliquée, mais on a comme résultat ici quelque chose qui va apporter des fruits. Donc c'était positif, c'est positif que vous avez persévéré, c'est tout à fait le Capricorne. Utilisez votre force, votre courage, votre persévérance dans un domaine pour atteindre quelque chose, une situation, un événement que vous attendiez qui va porter ses fruits. Donc vraiment si vous avez beaucoup travaillé, beaucoup donné de labeur, on voit que ça apportera ses fruits, d'accord? Là le lièvre on dit... qui sont reproductifs, ainsi que les oiseaux. Donc, ça porte récompense. Alors, on y va pour les Capricornes du 1er au 15. On va regarder tout ça. Capricorne, 1er au 15 novembre. Donc, c'est des petits tirages supplémentaires qui sont plus proches ainsi de la période que je referai aussi du 15 au 30. Et puis, voilà, vous pouvez voir ceux de début novembre qui a été fait assez tôt. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Il y a des choses qui sont cachées, que vous allez découvrir. Il y a des choses cachées que l'on ne vous dit pas, et ça sort dans beaucoup de tirages des Capricornes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ou dans quel domaine, mais on voit que vous ne savez pas tout par rapport à une situation. Merci le chat. Hein? Allez, enlève-toi. Tu dis bonjour et tu t'enlèves. Allez. Il y a des choses cachées, les livres fermés, c'est des choses que vous ne savez pas par rapport à un domaine de votre vie. On pourrait vous cacher des informations sur une situation qui vous concerne, dans le travail par exemple, dans votre situation sentimentale, familiale, dans votre travail, activité indépendante. Là, la carte représente l'étoile, mais représente aussi la recherche, parce qu'elle stéthoscope, on observe, on cherche, on nous dit d'écouter son intuition pour essayer de savoir ce que ça peut être, hein, trouver des solutions. Et votre intuition aussi, les Capricornes, vous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires.
qu'on vous cache des choses, qu'on ne vous dit pas la vérité sur certains domaines. D'accord? Mais dans cette période, on voit qu'il y aura des nouvelles qui vont arriver. Le bouquet, c'est les bonnes nouvelles, c'est des surprises. Donc, ça peut être aussi le bouquet, on le dit au niveau sentimental, donc une surprise au niveau sentimental, des nouvelles qui vont éclaircir ce qu'il y a dans le livre caché, ce qui n'est pas clair. Donc, normalement, ce début novembre, des informations vont vous être données par courrier, par lettre, par message, par personne qui parle, concernant des choses, voilà, qu'on vous cache, qu'on ne vous dit pas. Il y a un éclaircissement de situation qui va vous permettre de passer, faire un passage de l'avant. Donc, ça concerne, bien sûr, je vous dis, tous les domaines. Vous allez traverser le pont, ça veut dire que vous passez d'une situation à une autre. Vous allez pouvoir avancer grâce à ces nouvelles, ces bonnes nouvelles, et vous allez prendre un nouveau chemin. Vous avez le choix ici, on peut prendre un chemin à droite, à gauche, qui permet d'avancer déjà, première chose, et qui vous permettra de faire le choix de comment avancer, de quelle manière, est-ce que c'est dans le même domaine, mais d'une manière différente, ou est-ce que ce sera un autre domaine. On va voir les cartes suivantes. Donc, à nouveau, on a l'ours, ça vous apporte le soleil, et on nous parle de lieu. Alors, ça peut être en rapport avec un lieu de travail où il y a beaucoup de monde, par exemple, si on parle du travail. Là, le jardin, oui, peut nous parler d'une, par exemple, d'une entreprise aussi, d'un lieu où il y a du monde qui se rencontre. Mais on voit que dans ce lieu, il y a des choses cachées avec la pie, où il y a eu de l'abus de confiance et des gens qui vous cachent des choses, qui ne vous disent pas la vérité. Grâce à votre persévérance, à nouveau, votre patience, votre force de ne pas avoir abandonné, de ne pas avoir laissé les choses en plan et pas avoir accepté cette situation, parce que ce n'est pas normal qu'on cache certaines choses volontairement, on dirait. Vous allez faire la lumière. Avec le soleil, la lumière et le bouquet, c'est des nouvelles qui arrivent, c'est la lumière qui se fait sur une situation avec le jardin qui me parle d'un lieu où il y a du monde. Donc, c'est pas, on va pas éclairer un jardin, mais c'est plus pour moi une entreprise. Oui, je vois un lieu public, un lieu où beaucoup de gens se rencontrent. Donc, à vous de voir par rapport à qu'est-ce que ça peut résonner. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une maison où il y a beaucoup de monde? Est-ce que c'est votre lieu de travail? D'accord? Il y a effectivement de l'abus de confiance. Voilà. Ce début novembre va vous permettre d'éclaircir avec l'étoile. Donc, il y a en même temps une protection sur vous. L'univers vous protège par rapport à ces choses cachées et cet abus de confiance. On va vous montrer des signes, on va vous montrer le chemin, on va vous apporter des réponses. Il y a normalement, la semaine prochaine, où ça peut concerner, oui, début du mois de novembre jusqu'à la moitié de novembre environ, ou plus tard, des informations, des nouvelles qui vont vraiment vous éclairer sur ce qui se passe dans un lieu où il y a beaucoup de monde, où il y a des gens qui visiblement ont caché des situations, des informations, des choses, pour pas que vous puissiez avancer, pour pas que vous puissiez travailler, pour vous bloquer quelque part. Il y a un déblocage avec le soleil, il y a des choses qui se mettent en lumière, et surtout grâce à votre force et persévérance, ça aurait pu être la montagne qu'on a gravie, mais là, il n'y a plus le problème, il y a votre courage qui est mis en avant, votre force, votre persévérance, comme je l'ai dit, et qui va payer, qui va porter ses fruits, qui va apporter une lumière à ces choses qui sont pas nettes, qui vous permettent pas de voir clair dans un lieu, j'ai l'impression, où il y a du monde, ou dans un travail où il y a du monde, ou dans une institution où il y a beaucoup de personnes, mais c'est positif. Là, il y a une résolution positive à ce blocage volontaire, à cet abus de confiance, à ces choses qui sont pas claires, d'accord? Donc, c'est une bonne chose et vous pouvez enfin avancer, passer d'un lieu, passer d'une situation à une nouvelle situation, et puis différemment, parce que vous pouvez prendre un chemin ou continuer d'une manière différente, comme je vous l'ai dit.
Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Donc, les Capricornes du 1er au 15 novembre 2021. Capricorne, 1er au 15 novembre. Capricorne, 1er au 15 novembre. Qu'est-ce qui se passe pour l'amour? 1er au 15 novembre en amour. Capricorne, 1er au 15 novembre en amour. Donc, c'est vraiment un petit tirage, mais qui est très informatif, très clair, succinct. Ça suffit. Bon, ça complète quand même le tirage de novembre, donc je vous incite à aller le voir si vous n'avez pas été le voir. Alors, pour l'amour, eh ben voilà. 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 La même chose. Les choses cachées, mensonges, prudence. C'est bien ce que je ressens. Donc, vous êtes dans une position depuis un petit moment où on ne veut pas vous montrer la vérité. Je ne sais pas pourquoi, et ça se passe pour les Capricornes. Mais il y a même dans le domaine amoureux, relationnel, ou avec une personne en particulier, où on vous ment, on vous cache. Il y a du mensonge. Voilà. Il faut être prudent. Alors, il faudra résoudre cette situation, non dans la colère, ou la haine, quand vous allez avoir les informations, ça va être positif. Vous allez recevoir des réponses, vous allez avoir des compréhensions. On nous dit d'être dans le pardon, plutôt que d'être dans la colère ou la vengeance. Donc de pardonner, ok, des personnes ont fait ça, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Je me pardonne d'avoir pas pu comprendre parce que c'est comme ça. Et réagir dans la bienveillance. Vous êtes aussi dans la méfiance. C'est incroyable, ça résonne exactement comme le tirage du dessous. Là, ben, vous êtes dans une période de doute, de manque de confiance, vous vous posez des questions, la même chose que le tirage général, la même chose dans le tirage sentimental, donc par rapport soit à une personne, soit dans votre couple, soit à la famille, et à nouveau, on ressort la même carte. Grâce à votre détermination, et je vous l'ai sorti, à votre combat, à votre force et de ne pas abandonner, c'est exactement ce que j'ai dit, eh bien, vous allez avoir résolution, je dirais récompense de votre persévérance, récompense positive. On va avoir la lumière sur ce qu'on nous a caché ou sur l'abus de confiance. Donc, dans les deux domaines, ce mois de début novembre, ce mois de début novembre, ça ne veut rien dire, ce début novembre va pouvoir éclaircir ces situations. Et puis, on nous dit, soyez plutôt dans la bienveillance et dans le pardon. Parce que vous serez content du résultat, vous aurez la lumière, vous aurez les réponses, vous aurez compris qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc même si c'est dans une relation avec quelqu'un en particulier ou dans l'amour, eh bien ça va se dissiper, hein, d'accord? Donc c'est très positif et ça je l'avais déjà vu aussi dans beaucoup de tirages pour les Capricornes. On va regarder un conseil pour vous. Alors, pour les Capricornes, 1er au 15 novembre, quel conseil ou quel message? Capricorne, 1er au 15 novembre, Capricorne, 1er au 15 novembre, un conseil, un message. Et je vous souhaite à tous un bon chamane. Hein, je préfère dire ça que Halloween, qui est anglais. Et n'hésitez pas de voir la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, spécialement pour cette journée. Donc c'est pour ça que je vous dis d'activer la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les vidéos que je fais. Bon, le message nous dit, tu vas apprendre quelque chose par cette expérience, et ensuite tu pourras aider les autres à comprendre. L'archange Zadkiel est avec toi. Sois ouvert d'esprit pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles idées. Tu auras cette ouverture, et par la suite tu pourras apprendre ce que tu as découvert aux autres, apprendre par ton expérience d'autres personnes. Ben là, c'est comme une expérience, effectivement, que vous avez à vivre, qui dure depuis un petit moment, des choses qui sont cachées, et qui là, vous allez pouvoir avoir des révélations, mais qui seront bénéfiques, mes chers amis Capricorne. Merci pour vos retours, vos messages sur ces tirages, comment ils résonnent pour vous, ou un petit merci, ou ça résonne sur un sujet, voilà. Et lequel ? À tout bientôt. Merci. Au revoir.